Haribo, c'est beau la vie, pour les grands et les petits. Oui. Coucou les petits copains. Vous faites rire. Hello Athéna, coucou Calice, coucou à tous. Comment ça va aujourd'hui les filles? Ça va Tagada. Yes. Tagada. Eh bien oui, vous l'avez vu. Je dis fais Tagada. En tout cas, nous on n'a jamais vu autant de bonbons, voilà, sur la table. Tous ces bonbons, à part les deux boîtes qui sont à ce côté, viennent de Haribo, quand nous sommes allés voir Haribo, l'usine, le musée, etc. Et ça y est, on a reçu la valise Haribo, la valise Tagada, avec plein de choses à l'intérieur, dont les bonbons que vous avez fabriqués. On va pouvoir déguster vos bonbons, pour voir s'ils sont bons. Donc là, on va faire un petit peu de place moi sur la table, coca. Pour voir ce qu'il y a dans la valise, et elle est très lourde. Moi, c'est le coca. Vous n'arriverez même pas à la soulever, je suis sûr. Moi, c'est le coca. Ok, on va essayer. Allez. Elle est lourde, hein. Oh, 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 oh là là. Aïe, aïe. Ça va, Dana? Bon. Attention les petits pieds. C'est Calé qui m'a fait. Ouais, là, parce, parce que c'est très très lourd. Allez, je vais vous aider à ouvrir ça. Haribo, c'est beau la vie, pour les grands et les petits. Oui, il y a marqué Haribo, c'est beau la vie au dos de la valise. Déjà, voilà, la couleur est donnée, le ton est lancé. Waouh, 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 elle est gigantesque cette valise. Ok les filles, vous ouvrez, 3, 2, 1, go. Tout ce qu'il y a. Alors, voyons voir les choses une par une. Tout d'abord, Athéna, tu tiens. Tu tiens une... Oh, on peut voir le dessin ici, à quoi ça ressemble. C'est une serviette de plage, regardez. Une serviette de plage Haribo, d'accord. Ouais, ça peut servir de couverture. Alors Athéna, ça c'est fragile, ça se casse. Ce sont des mugs Haribo. Alors tourne-les de l'autre côté pour bien voir. Parce que là, tu es en train de regarder les dessins. Tu veux que je te... Non, je peux hop pas. Voilà, regardez. Tiens, tu veux le tenir? On va montrer oh tous les bonbons. Attends, attends. On bouge aura pas, Athéna. Toute la collecte. Alors, de gauche à droite, Athéna tient des mugs avec des fraises Tagada et Pink, des bananes, des chamallows, des réglisses Rotello, des bonbons nounours, gold de nounours, et puis et un mug crocodile, c'est crocrobien. Et toi, oh, une bonbonnière. Papa, je peux pas porter longtemps. Tu peux le porter, tu peux le poser plutôt. Donc on continue, t'as donné la bonbonnière, je vais faire un petit peu de place. Et les mugs aussi, voilà. Elle est trop bien cette bonbonnière. Moi oh, j'adore. Alors, il y a un cahier. C'est pas une tasse, c'est un bol. Ah oui, un bol bon. Un bol, mon bol Haribo, c'est marqué. Oh, wow. Des cuillères. Eh, on a vraiment du bol, hein, les filles. Des cuillères. Vous trouvez pas? Oui, des cuillères. Wow. Des petites cuillères un Haribo. Cahier. Un cahier Haribo bonbon pour bien travailler à l'école. Le bonbon. Ah, oh, du savon. Du savon. Du savon. Et du on a bien fait de pas l'acheter. Oui, effectivement, on avait failli l'acheter et ils nous ont dit non, on va vous l'envoyer. Bon, bah, c'est très gentil d'ailleurs. D'ailleurs, on en profite hein, encore une fois pour remercier Haribo pour leur visite, leur accueil très chaleureux et pour nous envoyer tout ça. Il y a, oh, il y a, alors ça, il y a un mug tout doux. C'est un mug tout doux. Des bonbons. Oh, c'est tout doux. T'as vu? Des bonbons. Marqué, je fonds pour toi un mug chamallow tout doux. On finira bien sûr par ça goûter vos bonbons, les filles. Alors, ah non, ensuite, alors le cahier. Un le cahier Haribo. Un livre Haribo. Oh là là, alors c'est un livre. Et un plateau. Sur l'histoire d'Haribo. Attends, je vais le montrer. Et un plateau. Et ah un, ouais, plateau. Un plateau Haribo. Je l'amène à l'école demain. Haribo, j'adore. Je l'amène à l'école demain. Tu vas à l'école avec un plateau? Oui, on mange avec les plateaux, avec des ah plateaux. Ah oui, t'as raison, à la cantoche. Je suis pas sûr qu'il soit d'accord. Voici le grand livre Haribo. Histoire et recettes de la marque culte. Oh, ah, c'est bien ça. Un stylo. Un stylo. Extraire l'or noir de la réglisse. 40 sacs. Waouh, c'est l'histoire des bonbons, l'histoire de l'entreprise, des recettes un de cuisine. Stylo. C'est trop trop bien. Alors un stylo, oui. Un stylo Haribo.
Ok. Ça, c'est la perline. Et là, je crois qu'on a fait le tour. Ça, c'est la perline. Et maintenant, on va voir si vous avez mérité tous ces cadeaux. Donc, bien sûr, on était là-bas avec Perline. Ça, c'est à Athéna. Cliquez sur le petit i en haut à droite pour voir la vidéo. Voilà. Et donc, voici le petit sachet de Perline Studio Bubble Tea. On le donnera bien sûr à Perline, évidemment, qui va pouvoir goûter ses bonbons. On ne va pas lui manger ses bonbons, ça ne serait pas très gentil. Par contre, vous allez pouvoir goûter les vôtres et échanger et me faire goûter aussi. Oh, ça sent. Ça sent bon ? Je ne sais plus quel parfum j'avais pris. Alors, ça ressemble à un papillon. D'accord. Ah non, c'est une bougie. Alors, tu veux goûter ? Non, je prends la coca. Coca ! Alors, toi, Athéna, c'est parfum coca. Je rappelle que pour faire les bonbons, vous aviez le choix entre un goût parmi plusieurs, une couleur parmi plusieurs. D'ailleurs, on peut voir que Athéna a fait la couleur cola et que Calice a fait la couleur rouge. Le goût. Est-ce que Athéna, tu as fait le goût cola aussi ? Je ne sais plus. Mm-hmm. Et toi, Calice, tu as fait quel goût ? Je crois que c'était orange. Orange. Est-ce que ça a le goût d'orange ? Ça tombe bien alors. Et puis, vous aviez aussi le choix pour... Rien. D'autre. C'est tout. C'est tout. Autrement, après, c'est vous qui avez coulé les... qui avez fait le mélange, qui avez remué, qui avez ajouté le colorant. Oui. Oui. Tiens, oh, tu veux que je goûte ? Et qui avez également coulé tout ça dans les petits moules. Tu veux goûter le mien ? Oui. Oh, c'est beau papillon. Mais moi, je veux goûter le tien. Ça ressemble à quoi ? Je sais pas quoi. Je sais pas à quoi ça ressemble celui-là. Une bougie. Ah oui, une bougie, exact. Exact. Un nounours. Un nounours. Alors moi je goûte la bougie d'Athéna. Ah, c'est bon. C'est vrai, mais ça a exactement le même goût. Vous avez bien respecté le dosage, on dirait des vrais bonbons Haribo du commerce. Et là, le bonbon de Calice. Il est bon, Athéna, ton bonbon, hein ? Et maintenant, Calice, je goûte ton bonbon en forme d'étoile qui est à l'orange. Attention, je goûte. C'est le goût d'orange ? Très bon aussi, oui. J'hésite entre orange et chou-fleur, mais je crois que c'est orange. Ouais, ça va être orange. Ou brocoli. Non, orange. Ou barbecue. Non, orange. Ça, c'est ce qu'il y avait sur les petits sachets. On voit bien que ça, c'était Athéna qui l'avait fait. Et là, on voit bien que c'est Calice du Bubble Tea qui avait fait ses bonbons. Bravo, les filles. Ok, alors on va remettre, pour résumer, pour faire une récapitulation Haribo, tout ce que vous avez eu dans cette valise et également lorsque nous sommes allés là-bas sur la table. Allez, c'est parti. Mais elle est magnifique cette petite serviette. Mais elle n'a pas terminé. Il y a plein de bonbons. Oh bien sûr, et puis il y a écrit Haribo dessus avec le bonhomme Haribo. Je vais me parfumer avec du drap. Qu'on a vu là-bas et qui nous a fait un dab. Et là, tu es en train d'ouvrir le gel douche Haribo. Alors, est-ce que ça sent bon, Athéna, ce gel douche ? Oui. Oui, vous allez pouvoir vous laver à la fraise, Tagada. C'est parfum Dragibus. C'est parfum Dragibus, regarde. Ah ouais. Je me parfume. C'est un raison, c'est écrit dessus. Donc vous allez vous laver au Dragibus. Ça, c'est bien. Et ça sent le Dragibus ? Mm-hmm. Oh, ça sent bon. Voilà. C'est bon. On va prendre un paquet de Dragibus et on fait... Choup, 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 choup. On se lave. Et là, je montre tout ce qu'il y a eu dans cette valise. Donc, rapidement, la récapépète Haribo. Et il y a le livre d'histoire et de recettes Haribo. Par-dessus, il y a le mug chamallow tout doux. Il y a la bonbonnière ici avec plein de paquets de bonbons qu'on a vu là-bas que j'ai mis à l'intérieur. Il y a le petit cahier Haribo. Il y a les stylos Haribo. Il y a bien sûr les bonbons que vous avez faits. Il y a les boîtes qu'on avait eues en cadeau lorsque nous sommes arrivés. Ainsi que le jeu de société délire party Haribo dans lequel, avec lequel on avait joué dans le train d'ailleurs au retour. Là-bas nous avons bien sûr la valise Haribo avec les mugs par-dessus. Voilà, magnifique. Et puis il y a aussi le bol Haribo pour prendre son petit déjeuner le matin, son bol de lait avec des fraises d'Agada, des céréales à l'intérieur. Et puis une petite cuillère, six petites cuillères Haribo. Voilà, je crois qu'on a fait le tour. Mais c'est où d'ailleurs ?
Ah, elles sont là. Ah oui, non, c'est pas. T'as pas compris. Il y a écrit quoi dessus? Il y a j'adore la banane. Ouais. Je suis mordu. Ça, okay. C'est le crocodile. Ouais. Je fonds pour toi, c'est chamallow. Et c'est tout. Et c'est tout, mais c'est déjà pas mal. Bravo. Bon, bah, est-ce que ça vous plaît tous ces goodies, tous ces cadeaux Haribo? Franchement, il y a des trucs très utiles, très sympas. Voilà, il y a des trucs très rigolos et puis des trucs très sucrés à manger avec modération. Ce sont des bonbons, c'est du sucre. Attention Athéna, mange pas tous tes bonbons, hein? Parce que c'est pas bon pour les caries, c'est pas bon pour le poids, c'est pas bon pour le diabète et tout ça. Mais c'est bon au goût. Mais c'est bon au goût, mais on en mange à petite dose. Voilà, je le dis à chaque fois, mais c'est super important. Et nous, bien sûr, on se retrouve demain pour une prochaine vidéo. J'espère que vous avez aimé, petits copains, comme nous. Nous, on a adoré. Et moi, un petit pouce bleu. Il y a plein de bonbons dessus. Tu vois, t'as plein de bonbons dans ton ventre maintenant. Et moi, je suis prête à faire de la cuisine avec mon nouveau tablier. Ah oui, c'est une serviette de bain transformée en tablier. Pourquoi pas? Ok. Tu bon, bah, gros bisous, les filles. Attends. Petit pouce bleu, partagez, commentez, abonnez-vous. Et bien sûr... Oh, son petit cœur. Vivez vos rêves. Oh oui, vivez vos rêves. Voilà. Studio Bubble Tea est un rêve éveillé et on le partage avec vous. Et bien sûr, ciao, ciao. Ah, ciao, ciao. Ciao, et ciao, Calice. Ciao. Mais parfait, Edouard, viens. Bravo, Calice. Athéna. Non, c'est pas Athéna, c'est Tagada.